أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et organisatrices de cette rencontre pour cette invitation, pour cette première invitation, et j'espère que ça ne sera pas la dernière, même s'il est difficile de me joindre. Alors, on m'a proposé aujourd'hui d'aborder un thème essentiel qui tourne autour de la vie du prophète, mais vous vous doutez bien qu'en une petite heure, on ne peut pas aborder toute la vie du prophète. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'aborder les lignes directrices, les lignes générales de la biographie du prophète, des enseignements, les principaux enseignements qui vont nous permettre justement d'approfondir notre foi et de cheminer spirituellement. Dieu nous dit dans le Coran, dans Surat al-Ahzab, un verset que tout le monde connaît, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple, un exemple parfait pour celui qui aspire à Dieu et au jour du jugement dernier. Et donc en fait, à travers ce verset, Dieu nous dit très clairement que pour entrer dans la proximité divine, pour entrer dans la lumière de Dieu, il faut suivre les pas du prophète alayhi salam. Et pour suivre les pas du prophète alayhi salam, il faut le connaître. D'où l'importance de revenir à sa biographie. Parce que le prophète alayhi salam, comme nous l'a enseigné Aïcha radiallahu anha, était l'illustration parfaite du message coranique. C'est-à-dire qu'il a incarné le Coran. C'était un Coran qui marchait sur terre. Et voilà pourquoi le musulman doit porter un regard, une attention sur lui, sur son attitude, pour essayer de comprendre les enseignements et la sagesse divine. Parce que le Coran, c'est une sagesse vivante qui sert à nous apporter davantage de lucidité et de clairvoyance dans cette vie. Alors pour commencer, on va revenir à un moment déterminant dans la vie du prophète, le moment de la révélation. Vous savez que toute la période avant la révélation était une espèce d'initiation. Dieu préparait le prophète à accueillir et à recevoir le message. Donc il a vécu un certain nombre d'épreuves, d'expériences, justement pour être disposé, Dieu le prédisposait à accueillir et à recevoir la révélation divine. Et ça, c'est extrêmement important. Dieu n'a pas révélé son message de façon brutale au prophète, alayhi salam. Non, il l'a modelé. Il a modelé, il a travaillé son esprit, il l'a disposé pour qu'il soit apte à accueillir cette lumière. Parce que cette lumière est extrêmement forte. Les paroles de Dieu sont fortes. Et Allah le dit dans le Coran, dans Sourate Al-Muzammil, « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Je vais faire descendre sur toi une parole extrêmement lourde. Et il faut être capable, apte, disposé à recevoir et à s'imprégner de cette parole. C'est pour ça que Allah, pendant 40 ans, et ce n'est pas rien, ce n'est pas rien, pendant 40 ans, il va préparer le prophète, l'initier à recevoir la révélation. Pourtant, Dieu, il lui suffit de dire à une chose, soit pour qu'elle soit aussitôt. Mais là, il a voulu montrer que les enseignements ont parfois besoin de temps. Et ça, le prophète l'aura très bien compris, parce que c'est la même méthode qu'il va employer vis-à-vis de ses compagnons. C'est-à-dire que vous allez voir, si vous étudiez la vie du prophète, il y a des enseignements qu'il disposait à tout le monde, et il y a des enseignements qu'il ne disposait qu'à une élite parmi les compagnons. Parce que c'était une élite prédisposée à entendre certaines choses. Il y a des personnes, tu ne peux pas leur dire des choses. Elles risquent de t'insulter. C'est pour ça que le prophète dit « Adressez-vous aux gens à la portée, à la mesure de leur intelligence. Car aimeriez-vous plutôt voir ces gens insulter Dieu et votre prophète ?» Pourquoi ? Parce que le fait de donner un enseignement, même islamique,
qui ne soit pas à la portée de l'intelligence de la personne risque d'être perturbée, déroutée et finir par insulter celui qui lui enseigne. Donc le prophète, il y a certaines choses, il ne les transmettait qu'à une partie des compagnons. D'ailleurs, Abu Hurayra radiallahu anhu disait, celui qui a rapporté le plus de hadith, vous le savez, je ne vous ai légué qu'une partie des enseignements du prophète. Si je vous avais transmis l'autre partie, vous m'auriez tranché la gorge. Parce que vous n'êtes pas capable encore de l'entendre. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, quand on aborde le sujet de l'islam, il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça, n'importe comment et à n'importe qui. Il faut voir ce que la personne est prête à entendre. Et déjà, ils vont t'insulter. D'où cette culture de l'insulte des savants, qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le potentiel, les capacités intellectuelles de comprendre ce que disent les savants, et ils finissent par le rejeter. Non, mais ce sont des innovateurs, ils disent n'importe quoi. Voilà, parce qu'en fait, ils ne sont pas faits pour ce type de savoir. Et ça, Allah, c'est ce que fait avec le prophète. C'est-à-dire, il l'initie. Il ne lui a pas transmis la parole comme ceci, il aurait été dérouté. Il l'a prédisposé. Il a prédisposé à accueillir le message. Une fois qu'il était prédisposé à accueillir le message, là, il va lui révéler le Coran. Mais avant cette révélation, dans la grotte de Hira, il va se passer quelque chose d'extrêmement symbolique, la reconstruction de la Kaaba, qui apparaît quelque temps avant la révélation. Hein? C'est entre l'âge de 35 et 40, entre 35 et 40 ans, le prophète a participé à ce grand moment de l'histoire de l'islam, qui est la rénovation de la Kaaba. Mais en fait, la rénovation de la Kaaba annonçait la réforme de l'humanité. En fait, cette reconstruction de la Kaaba, qui est le symbole de l'unicité de Dieu, qui symbolise le cœur, en fait, annonçait l'arrivée d'un message qui allait réformer le cœur des gens. Et la Kaaba, c'est le symbole du cœur. C'était déjà une petite annonce. Et ensuite, le prophète, au lendemain de la reconstruction de la Kaaba, va éprouver le désir de se retirer de la Mecque, du bruit de la Mecque. Il a besoin de moments de solitude, il a besoin de silence. Il veut réfléchir, il veut méditer, il veut comprendre. Il cherche à percer les secrets et les mystères de l'existence humaine. Donc, il trouve refuge dans une petite grotte, au sommet d'une petite montagne, pas très loin de la Kaaba. Et dans cette petite grotte, au cœur de la solitude et du silence, il médite, il réfléchit, il porte son regard sur le monde. Sachant que Allah l'avait déjà initié à la méditation, comment? En tant que berger, parce qu'en étant berger, il était au contact de la nature. Donc déjà, Allah le mettait au contact de la nature dès son jeune âge, dès son enfance. D'ailleurs, avant même d'être berger, il a vécu à la campagne auprès de sa nourrice, Halima radiallahu anha. Il a vécu à la campagne. Donc déjà, il avait un premier contact avec la nature, c'est-à-dire avec le livre déployé, Al-Kitab al-Manshur, la création. Et là, Allah s'était révélé à sa conscience à travers la création, avant de se révéler à travers le Verbe. Avant de se révéler à travers le Verbe, Allah s'était révélé à travers les éléments de la création. Il a parlé au prophète. Et ça a participé à l'éducation de l'esprit du prophète. C'est pourquoi, arrivé à un certain âge, il a éprouvé le besoin de renouer avec le silence et la solitude que nous procure la campagne, la nature. Et donc dans cette grotte, il médite, il réfléchit, et il passe des nuits dans cette grotte à réfléchir, à se poser des questions, à s'interroger. Et jusqu'à ce que, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, vous connaissez, jusqu'à ce que l'ange Gabriel l'interpelle et le saisisse en pleine méditation, en lui disant, paradoxalement, curieusement, Iqra, lis. Et le prophète de répondre, Ma ana biqari, je ne suis pas de ceux qui lisent. Iqra, Ma ana biqari. Et écoutez bien, c'est que l'ange Jibril alayhi salam le saisit assez violemment, au point de lui couper le souffle.
Il le serre, il le serre contre lui. Et là, le prophète, apeuré, dit, mais ma aqra, que dois-je lire? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence ou d'un caillou de sang. On reviendra sur la traduction du terme. Lis. Là, il y a plusieurs choses ici à retenir. La première, c'est que le fait de prendre le prophète, de le serrer contre lui, au point de lui couper le souffle. En fait, ici, Jibril est en train de lui faire accoucher une vérité. C'est un peu comme la femme. C'est-à-dire qu'elle accouche, elle donne la vie après des moments de contraction. Et donc, comme le prophète est porteur d'une vérité, donc il le serre, il y a une contraction pour accoucher cette vérité. C'est très symbolique, c'est très fort. C'est-à-dire que la douleur, cette contraction précède la vérité. La vérité qui va donner la vie. Qui va redonner la vie à l'être humain. Donc il le fait accoucher d'une vérité. Pourquoi? Parce que la vérité préexiste en nous. Et l'islam le dira. C'est que l'islam dira, je n'apporte rien de nouveau. Et toi, prophète, tu n'apportes rien de nouveau. Tu ne fais que rappeler ce qui a déjà été révélé. Tu ne fais que confirmer une vérité qui préexiste en chacun d'entre nous. On l'appelle, nous, dans le langage coranique, al-fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. En fait, le Coran, c'est pour ça que le Coran, l'un des noms du Coran, c'est al-dhikr, le rappel. Donc le Coran vient rappeler une vérité qui existe en nous. Il la réveille. Elle est virtuellement présente en nous. Donc il vient lui redonner un nouveau souffle à cette vérité. Mais elle existe en l'homme. On a une fitra. Et le problème, c'est que nous nous éloignons de cette fitra. S'éloigner de cette fitra, c'est ce qu'on appelle la chute. On pense que la chute, ça concerne Eden. C'est historique. Non. La chute, nous la vivons en permanence. Chaque fois que nous nous éloignons de notre fitra, eh bien, nous sommes en pleine chute. Mais la chute, elle participe de notre nature. On ne peut pas se dépouiller de la chute. On doit chuter. Ça fait partie de la vie humaine. Mais l'islam te dit que le cheminement spirituel, c'est après la chute, il faut réintégrer ta fitra, retrouver, revenir à la source. C'est ça, c'est pour ça que le cheminement spirituel n'est rien d'autre que le retour. Vous êtes à Dieu, nous sommes à Dieu et nous retournons à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous disons « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », ça c'est une formule qu'on dit que quand il y a un mort. Mais non, parce que la mort, nous l'expérimentons au quotidien. La mort du cœur. Eh bien, revenir à Dieu, c'est se réconcilier avec sa fitra. On ne dit pas ça que quand il y a un mort. On dit ça tout le temps. On doit revenir à Dieu. On vient de Dieu à partir de notre fitra et on doit revenir à elle après la chute. Et c'est ce que fait le prophète lorsqu'il se réfugie dans cette grotte. En fait, c'est la fitra qui est en train de s'exprimer en lui. Il cherchait un sens à sa vie. Il se posait des questions. Sa fitra est en train de s'exprimer. Donc il trouvait un sens à ça, à ses élans spirituels. Et nous sommes tous portés par ces élans-là. Parfois nous sommes portés par cette expérience spirituelle des élans. Ça, il y a des fois on a envie de prier, on a envie de prier plus que d'autres fois. On a des envies de prier davantage. C'est une fitra qui s'exprime encore plus. Et donc c'est ça en fait. Le prophète à travers son attitude, à travers ce retrait, nous enseigne une chose. Il nous dit que l'être humain, dans sa vie, il a besoin de ponctuer son existence de retraite spirituelle. Et une retraite spirituelle ne s'accomplit pas uniquement dans des grottes. Notre cœur est une grotte, c'est une caverne dans laquelle il faut trouver refuge. Donc avoir des moments de silence, avoir des moments de solitude, c'est très important pour qu'Allah puisse imprimer son verbe dans notre conscience. Et c'est difficile dans une société qui fait du bruit. C'est difficile dans une société qui a fait en sorte que le bruit circule dans nos veines, au point où on ne peut pas s'en passer. Et vous savez pourquoi? Parce que, et ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est déjà des penseurs occidentaux et même chrétiens comme
comme Blaise Pascal au XVIIe siècle qui le disait. Il disait, mais il appelait ça le divertissement. Mais le divertissement, pas au sens, à deux sens, le mot divertissement a deux significations. Signification courante, c'est-à-dire que le fait de se détendre, c'est pas ça. Se divertir, c'est se détourner de l'essentiel. C'est la distraction, être distrait. Et il dit, l'être humain, il a besoin de divertissement pour fuir sa conscience. Et c'est pour ça qu'il fuit le silence et la solitude, c'est pour éviter de se retrouver seul avec lui-même et d'être confronté à ses propres pensées. D'où le réflexe de n'importe quelle personne, chaque fois qu'elle rentre chez elle et qu'il n'y a personne, bah de mettre soit la télé, soit la musique, soit d'appeler quelqu'un, soit de se connecter, mais ne jamais rester seul face à soi-même. Alors que point de révélation, point de réconciliation avec la vérité, sans moment de silence et de solitude. Allah ne parle qu'à celui qui est attentif. Et on ne peut pas être attentif dans le bruit, dans l'agitation, dans la gesticulation, dans l'hyperactivité. Il faut être attentif au verbe divin. Parce que le verbe divin, c'est un verbe qui se communique dans le silence, c'est un verbe qui se murmure, qui se susurre, ce n'est pas un verbe qui se crie. La nature, elle ne parle pas, elle chuchote les signes. Il faut l'entendre, il faut ralentir le pas. Il faut avoir le, faut lever les yeux. Nous qui sommes, et je le répète systématiquement dans mes interventions, absorbés par nos smartphones. Comment on peut être attentif au langage divin, au verbe divin, si nous sommes absorbés par la virtualité? Dieu se communique dans la réalité, pas dans le monde virtuel. C'est-à-dire que si on est tout le temps là en train de marcher, la tête baissée sur nos smartphones, ou même en famille, en réunion, tout le monde sur son smartphone, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de chaleur humaine, il n'y a plus de discussion. Chacun se rend sourd et aveugle à la beauté de Dieu qui se reflète dans la création. Et ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas entrer dans la proximité de Dieu si nous sommes distraits de cette façon. Il faut parfois se recentrer, concentrer son esprit. C'est important la concentration. Et j'en profite pour vous dire à ce titre que Internet, justement, a favorisé la dispersion de l'esprit. Parce que Internet inculque une façon de s'instruire qui ne favorise pas la concentration. C'est une école sauvage qui te fait passer d'un lien à un autre. Donc tu tapes un mot-clé qui te fait apparaître un lien, tu vas cliquer sur ce lien qui te renvoie vers un autre lien, qui va te renvoyer vers une vidéo, et donc ton esprit s'habitue à se disperser. Ce qui fait qu'avec le temps, tu n'arrives plus à te concentrer sur une chose. Et donc tu finis par mener une vie superficielle. C'est que les gens sont agités. Ils ne savent plus conclure leurs actes. Ils ne savent plus conclure leur lecture. Ils ne savent plus. Voilà, tout est dans le bref. Ce qu'on appelle, vous le savez, la société du zapping. Comme disait un frère, c'est aujourd'hui l'homo sapiens. C'est, voilà, zapper les informations qui se chassent les unes les autres. Regardez juste une chaîne d'infos. Une chaîne de télé d'infos en continu, par exemple BFM TV. Il n'y a pas une information sur laquelle tu vas te concentrer. Il y a les informations qui circulent en bas, ceux qui circulent au-dessus, l'animateur qui parle, plein d'informations en même temps, en fait, qui éclatent ton esprit façon puzzle. Ton esprit est partout. Comment tu veux, après cela, être concentré dans la vie et avoir un esprit très attentif? Et il n'y a pas de cheminement spirituel sans un esprit pointilleux, attentif, concentré. Et aujourd'hui, si les gens se plaignent de pas avoir le goût de la lecture, c'est en partie à cause de cela, en partie. C'est qu'on n'arrive plus à ouvrir un livre et être concentré, parce que notre esprit est habitué à passer d'un lien à un autre. Il faut que je passe à autre chose. Je lis 2 pages, il faut que je passe à autre chose, il faut que je fasse autre chose. Et donc, on ne peut pas s'élever vers Dieu sans un minimum de concentration. Et ça demande du silence, ça demande à un moment donné de se réconcilier avec une ambiance spirituelle intérieure très importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde, il faut se réduire au silence, non.
mais ponctué de temps en temps des moments de solitude, de silence. C'est la première des choses. La deuxième des choses sur laquelle je vais insister, c'est qu'Allah a imprimé, regardez bien, c'est très très fort. Il va imprimer la révélation dans la conscience d'un illettré, dans l'esprit vierge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a imprimé le verbe, son souffle, dans la personne vierge de Maryam. En fait, la révélation a toujours un lien avec la virginité intellectuelle et spirituelle. Toujours un lien. Parce que si tu viens avec un esprit déjà, plein d'idées, plein de stéréotypes, non. Parce que pour recevoir la révélation, il faut être prêt à bousculer tout ce qui est dans ta tête. Ça veut dire à retrouver ta virginité intellectuelle. Ouais, c'est exactement ça. Il faut retrouver sa virginité intellectuelle. Être capable de remettre en cause ses idées. Avoir l'humilité. Parce que c'est difficile quand tu as grandi avec des idées. Et puis un jour, je dis, non, mais tu sais, c'était pas comme ça en fait. Je dis, mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Depuis que je suis petit, on me dit ça. Mais tu n'atteindras jamais la vérité si tu ne sais pas te dépouiller de tes idées quand on te dit qu'elles ne sont pas bonnes. Quand elles ne sont pas bonnes. Tu ne peux pas te dépouiller de tes idées quand elles sont vraies. Mais il faut être capable de les remettre en cause. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas cette capacité de remettre en cause nos idées, notre compréhension des choses, notre lecture peut-être de l'islam. Peut-être qu'on a grandi avec une lecture qui n'était pas bonne. Et puis même après 20 ans, 30 ans, dire peut-être que ce n'était pas la bonne lecture. Donc des fois, d'où l'importance de se réinterroger, de se poser des questions. Parce que si votre objectif, si votre intention, c'est la vérité, acceptez de remettre en cause vos idées. Parce que certains, dans la recherche de la connaissance, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent simplement des choses qui viennent confirmer leurs idées. Et donc quand ils vont lire des livres, non, ils vont lire que des choses qui vont dans leur sens. Ils vont écouter que des intervenants qui vont dans leur sens. Parce que non, non, je ne veux pas écouter un tel, je ne veux pas lire un tel, parce que lui, non, c'est... Non, si c'est la vérité que tu cherches, tu dois l'accepter là où elle se trouve, même si elle se trouve chez ton adversaire. Alors quand on entend des gens faire des mises en garde, ça me fait rire. Pas... Non, lui, il ne faut pas l'écouter, pourquoi? Parce qu'il ne pense pas comme toi. Ah bon, mais est-ce que tu es en quête de vérité ou est-ce que tu cherches simplement à aller dans le sens de tes idées? C'est-à-dire que tu as la prétention d'avoir le monopole de la compréhension de l'islam. Tu réduis, et c'est très grave, c'est que tu réduis la sagesse infinie de Dieu à la compréhension finie de ton être et de l'homme. Tu prétends avec ton intelligence avoir embrassé la sagesse infinie de Dieu. C'est très grave, c'est une prétention. Là, tu commets une faute grave vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que connaître, accéder à la vérité, c'est retrouver sa virginité intellectuelle. Parce que dire, mais non, tu dis n'importe quoi, c'est de l'innovation, nous on a grandi comme ça. C'est le reproche qu'on a fait à Ibrahim a.s. Lorsqu'il est venu avec une nouvelle façon de voir des choses, les gens, son peuple, la réaction du peuple, elle a été de dire, mais non, nos ancêtres croyaient en cela, nos parents, nos grands-parents, on a grandi comme ça, toi tu viens. Mais ça demande beaucoup d'humilité. De revoir, se poser des questions. Et c'est aussi une invitation à se réconcilier avec un mot qui n'a pas très bonne presse dans la communauté musulmane. Avec la philosophie, mais au sens propre du terme. Et je vais l'expliquer, je vais définir ce que c'est que la philosophie. Parce que certains pensent que la philosophie... Alors moi je ne parle pas de la philosophie... qui est celle du bavardage infertile sur des concepts stériles où les gens s'inventent une vie de... Non, c'est pas ça. Ça, c'est du bavardage académique, universitaire, où tu vois deux universitaires se chamailler sur un concept. Non, tu l'as mal compris. C'est pas de la philosophie, ça, c'est du trabécage. La véritable philosophie, c'est celle qui se définit par son sens étymologique, l'amour de la sagesse. Et Platon l'avait très bien défini. Il disait, la philosophie, c'est l'art de s'émerveiller devant le monde. C'est l'art de s'étonner. Et bien, c'est ça. Le prophète, quand il va dans la grotte, qu'est-ce qu'il fait? Il s'émerveille, il s'étonne. Le monde. Et le Coran nous le dit, dans Sourate Ali Imran, « Rabbana ma khalaqta hadha batila »
Ô Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il y a un sens à tout ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je cherche le sens des choses. C'est ça, philosopher. C'est que je cherche la sagesse derrière tout ça. Il y a un sens, il y a une sagesse. Donc, et c'est pour. C'est, en fait, il faut renouer avec la culture de l'interrogation, de l'étonnement, se poser des questions, savoir s'arrêter, réfléchir. Tu t'arrêtes devant un arbre. Tu te questionnes sur le symbole de l'arbre. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers l'arbre? On trouve des personnes, on a souvent eu cette tendance. On veut aller apprendre, on veut aller étudier l'islam dans des centres islamiques, dans des universités à l'étranger. Mais des fois, je vous assure, restez devant un arbre ou devant un paysage, vous allez apprendre encore beaucoup plus. L'arbre, c'est un maître, c'est un shir. On l'appelait shir. La lune, le soleil, ce sont des chouyours qui nous entourent, qui nous enseignent la sagesse de Dieu à travers leur silence. Et Allah, dans le Coran, systématiquement, il nous renvoie à la création. Le Coran, c'est une poésie vivante qui nous renvoie en permanence à la peinture vibrante de la création. Chaque fois qu'Allah nous donne une idée, il nous en donne une illustration vibrante autour de nous. Regarde l'arbre, regarde l'oiseau, regarde le soleil, la lune. Ils illustrent ce que je te dis moi dans le verbe. Et nous, plutôt que de voir ces choses-là comme des illustrations de la sagesse divine, on passe à côté. Voilà, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses dans notre existence. On passe à côté de beaucoup de choses. Il y a des personnes, des fois vous êtes devant de très beaux paysages, plutôt que d'immortaliser l'instant par un moment d'introspection, de questionnement, d'interrogation, et de s'émerveiller devant le spectacle qui s'offre à vos yeux, réflexe du smartphonien, il prend le smartphone, il fait un selfie, il balance dans les réseaux sociaux, regardez où je suis, c'est beau, c'est magnifique, il continue. C'est ça. En fait, tu comprends pourquoi j'ai pas de smartphone maintenant. Parce qu'il me le reprochait. C'est devenu une maladie. Ça nuit à la spiritualité. C'est que les gens ne savent plus apprécier les choses directement dans la réalité. Maintenant, photo tout de suite. Et les gens se prennent en photo dans tout et n'importe quoi. Ils sont au kebab, et selfie, je suis en train de manger un kebab. Mais ça, en fait, ça témoigne de quelque chose. C'est-à-dire que la vie humaine aujourd'hui est tellement pauvre dans la société moderne qu'on est en quête de reconnaissance, on cherche le m'as-tu vu. Au point où j'éprouve le besoin de prendre en photo n'importe quelle situation banale de mon quotidien. Je suis là, j'existe, regardez-moi. C'est que ça doit être pauvre à l'intérieur, parce que quand on mène une vie riche à l'intérieur, on n'a pas besoin de toute cette reconnaissance-là, cette reconnaissance extérieure. Attention, je ne suis pas contre les smartphones ou les photos, ce n'est pas un problème ça, attention. Hein. Mais quand ça devient une maladie, quand ça devient un vice, quand ça nuit, quand ça devient nocif pour le cheminement spirituel, c'est ça qui est... Et donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est que ces moments d'introspection, on va se questionner, on va philosopher sur notre existence, on va s'interroger, sont essentiels, surtout dans cette société qui cherche à nous absorber, qui cherche à nous éclater, à nous éparpiller, à tel point, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se plaignent d'un manque de temps. Ils disent, mais on n'a plus le temps. Quand tu les invites à lire, pas le temps. Ce qui n'est pas totalement vrai. C'est juste qu'on gère mal notre temps. Et pourquoi on se plaint d'un manque de temps, d'une famine temporelle? Il y a une famine temporelle. À l'heure où la technique est censée nous apporter une économie de temps. Puisqu'aujourd'hui, on peut voyager d'un point A à un point B en 2 heures. Ce qu'on fait en 2 heures aujourd'hui, on le faisait en plusieurs mois à l'époque. On gagne du temps. Donc, on devrait avoir plus de temps disponible pour étudier, pour travailler. Maintenant, c'est l'inverse aujourd'hui. C'est que le temps se fait de plus en plus. Ça devient une denrée rare. Ça devient un luxe. Il n'y a plus de baraka dans notre temps. Pourquoi? Parce qu'on est absorbé, tiraillé par l'hyperactivité de la société qui nous pousse à faire plein de choses. Être dans l'agitation permanente. Faire ça, faut faire... Les gens sont dans une logique de rentabilité. Il faut que je rentabilise mon existence. La vie, elle est courte. Je parle même, le musulman pense comme ça aujourd'hui.
affecté par les illusions de la modernité. C'est-à-dire que la vie est courte, il faut que je rentabilise, il faut faire ci, il faut faire ça, Non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de choses, mais de manière très superficielle. Et on n'apprécie pas ce qu'on fait. Alors que ça, mais dans une autre logique, il te dit, fais peu de choses. De toute façon, la vie ne s'arrête pas avec la mort. Il n'y a que ton corps qui va être réduit à la terre, mais ton âme, elle continue son chemin. Ton âme continue son chemin. Donc cette vie, fais peu de choses, mais apprécie ce que tu fais. Fais le bien. Et tu verras que tu vas mener une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, stable. Tu vas trouver une stabilité dans ton existence. Tu es là, posé, tu fais les choses sereinement. Tu vas savoir rester, tu vas apprendre à rester chez toi. Les gens ne savent plus rester chez eux. Ils éprouvent le besoin de sortir, sortir tout le temps. Non, c'est ça, retrouver, je fais peu de choses, mais j'apprécie. Et en fait, cheminer vers Dieu, c'est aussi réapprendre à marcher. On n'apprend pas à marcher qu'à l'enfant en bas âge. Même l'adulte a toujours besoin de réapprendre à marcher. Parce qu'il suffit de se regarder marcher, vous allez voir. Le stress est imprégné en nous. Alors, toujours le marcher, c'est ralentir le pas. Marcher, c'est une façon d'être. C'est un état d'esprit. C'est voilà, je marche, j'apprécie les choses, je regarde, j'ai les yeux levés vers le ciel, vers ce qui se passe autour de moi. Je marche et je m'imprègne du monde. J'entends le monde résonner en moi. Et là, vous sentez, vous menez une vie profonde. Ça devient riche. Ce n'est pas cette vie d'agité. Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une image dans le Coran qui reflète notre réalité. Dans le Coran, Allah dit Al-Qari'a. Mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a. Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush. Regardez bien cette première partie de la sourate. Petite parenthèse. Quand vous lisez le Coran, sachez que chaque verset vous parle à vous. Et chaque verset a une actualité. Quand Allah parle par exemple de Pharaon, il ne parle pas seulement du Pharaon historique, du personnage historique. Il parle du Pharaon qui est potentiellement, qui existe virtuellement en nous. Quand il parle d'Abou Lahab, il ne parle pas seulement du personnage historique. Il parle du Abou Lahab qui est en nous. Chaque verset a une actualité. Le Coran ne fait pas que relater le passé. Il parle du présent. Donc c'est à toi de le lire, de dire, mais dans ce verset, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Parce qu'il me parle à moi, il ne parle pas d'Abou Lahab, non, il parle de moi. Donc comment je dois l'entendre? Quand il dit Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraka Mal-Qari'a, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Comment peut-on saisir le fracas? Et Allah nous donne une petite description. Le jour où les hommes seront semblables à ces papillons éparpillés. C'est-à-dire, ce verset parle de la fin du monde. Non? Je vous ai dit, chaque verset a une actualité. Il parle d'aujourd'hui. Parce que nous sommes tous semblables à ces papillons dans cette société moderne. Et c'est quoi un papillon? Regardez le papillon. Le papillon, il n'a pas de stabilité quand il vole. Il est agité, il va dans tous les sens. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Papillon. Ben c'est ça en fait. Il dit, l'être humain sera comme ce papillon. Il n'aura aucune stabilité dans sa vie. Il sera là, agité. Il n'a pas de point fixe dans son existence. Le monde sera éclaté, c'est le fracas. Et le fracas, ce n'est pas un phénomène naturel, l'explosion, non. Le fracas, c'est un monde, une société effritée, individualiste, atomisée. Il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de fracas. C'est ça le fracas. C'est un fracas symbolique. Vous comprenez? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, Yaouma yakounou nasu kal farash el mabthous, wa takounou el jibalu kal ihni el manfouch. Et les montagnes seront comme ces flocons de laine cardés, voilà, effrités. Les montagnes. Vous allez me dire, mais les montagnes, je ne vois pas moi ça. Mais en fait, les montagnes, c'est le symbole de la consistance. Vous savez qu'en arabe classique, montagne, Jabel, ça veut aussi dire un érudit. Jabel, ça veut dire un chef de tribu en arabe classique. Donc la montagne ici symbolise la consistance en matière de savoir, en matière de pouvoir. Donc le jour où la consistance représentée par la montagne n'aura plus
va s'effriter. Il n'y aura plus de consistance dans tout, dans le savoir, dans le pouvoir. Tout sera superficiel. Tout sera tel que ces flocons de laine cardés. Il n'y aura plus de consistance. Les gens vont accumuler, par exemple, des connaissances, mais sans consistance. C'est ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens picorent des informations à la surface de leur écran, sur Internet, mais ils n'ont plus de consistance dans leur savoir. Il n'y a plus une maîtrise de la connaissance. Ils ne lisent pas, ils n'étudient pas, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Ils se contentent de picorer des informations sur Wikipédia, sur des forums, dans quelques vidéos, et puis ils viennent et ils s'autoproclament cheikh. Attention. Imam. À l'époque, pour avoir ce titre, il fallait étudier, lire, s'asseoir devant des maîtres, se lever très tôt le matin. Il fallait suer. Aujourd'hui, c'est très simple si tu veux devenir cheikh. Tu as un iPhone, tu connais 2-3 hadiths, tu te filmes sur YouTube, tu tapes un peu sur la table, qal Allah, qal Rasoul, tout le monde te regarde, tu deviens cheikh. C'est ça, l'émergence des nouveaux imams, des nouveaux chouïurs sur Internet. D'où ils sortent? Et vous avez l'impression qu'ils disent quelque chose de profond. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du spectacle. C'est parce qu'ils vous balancent une avalanche de hadith, une avalanche de versets du Coran, sans compréhension profonde. Et puis toi, tu es là, mashallah, avec tout le déguisement qui va avec. Hein. Oui. Tout le déguisement, la tenue. Et tout est dans l'apparence, tout est dans la superficialité. Donc les gens, forcément, quelqu'un qui a encore une certaine naïveté intellectuelle, il est là, il dit, mashallah, mais. Mais il récite il dit des hadiths, quoi. Il dit Bukhari, Muslim. Il sait de quoi il parle. Mais non, c'est une pièce de théâtre ce que tu regardes. Et ça devient un phénomène. C'est un savoir qui n'a plus de consistance. C'est un savoir où il y a beaucoup de bruit, on crie, on tape sur les tables, on cite plein de trucs. Mais quand tu creuses un peu, tu t'assois, t'écoutes, tu dis, mais en fait, t'as rien dit dans le fond. T'as rien dit. Parce que le savoir. C'est pas ça le savoir. Le savoir, il ne se cultive pas sur Internet. Je ne suis pas contre Internet, mais attention. C'est-à-dire que savoir, c'est attention, c'est de la consistance, de la réflexion, c'est la véritable connaissance, la vraie connaissance, elle vous empêche de dormir. Vous savez, quand on veut étudier un sujet, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller juste s'informer un peu sur le sujet, vont regarder qu'est-ce que dit le Coran, le hadith, qu'est-ce que le savant, voilà. Et il te fait un compte rendu. Il te fait un compte rendu sur le sujet, mais il t'a informé sur le sujet, mais il ne t'a pas transformé. Parce que voilà, il t'a fait un compte rendu. Parce que la vraie connaissance, ce n'est pas ça. La vraie connaissance, c'est le sujet, tu le vis. C'est tu te poses des questions. Des fois, ça t'empêche de dormir la nuit. Ça te pousse à marcher tout seul dans la rue, à parler tout seul. Parce que tu es là, tu te poses des questions, tu dis, mais c'est à écrire, à prendre des notes, à. Voilà, c'est ça, c'est la vraie connaissance. Parce que c'est de l'intérieur, ça te prend, ça mobilise ton être. Et c'est ce que fait Jibril alayhi salam avec le prophète. Il le sert, parce que la connaissance que je vais te révéler, elle appelle tout ton être. Ce n'est pas une connaissance superficielle que je vais mettre dans ta tête. Parce que l'islam comment dire, n'encourage pas. L'érudition. Certains sont dans l'érudition davantage que dans la réflexion. Ils pensent que, comme ils connaissent beaucoup de hadiths, ils connaissent pas mal d'avis de juridiques des savants, les ikhtilaf, ça c'est de l'érudition stérile qui n'apporte rien en matière de réflexion. Et beaucoup sont dans cette approche. Ils sont séduits, ils sont fascinés, mais wow, ils connaissent plein de choses, ils les cultivent, mais c'est rien. C'est de la culture encyclopédique. Le prophète n'avait pas cette culture encyclopédique. Ce qu'il faut. Ce que l'islam encourage, c'est pas la culture encyclopédique, l'érudition, le savoir encyclopédique. Ce que l'islam encourage, c'est une intelligence profonde, critique. C'est une conscience éveillée. C'est ton esprit, c'est pas. Faut pas faire du stockage intellectuel. Allez, je stocke. Je mets plein de connaissances et après je fais étalage. Et donc, vous savez, Malek Benhabi, c'est un grand penseur algérien. Dans un de ses livres, ses principaux livres, La vocation de l'islam. À un moment donné, il raconte une petite anecdote qui l'a en fait, une chose qu'il a remarquée dans la communauté musulmane, son époque, et qui, pour lui, témoignait du déclin intellectuel de la communauté musulmane. Il dit, j'assiste à des prêches, à des interventions,
où les imams, les chouyours, passent trois quarts du temps à étaler la chaîne de transmission des hadiths. Le problème, ce n'est pas la chaîne de transmission. C'est très bien que c'est très important. Mais de venir dans une intervention, passer « قال الله وعن 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 » C'est-à-dire que voilà, c'est de l'étalage, l'érudition. Le savant là l'a authentifié, mais l'autre savant a dit qu'il était Hassan, mais l'autre dit que non, dans le maillon, telle personne et l'autre. Tu fais de ça, c'est de l'érudition, ça garde-le pour toi, c'est pour les spécialistes, ça c'est pour une étude. Mais dans, c'est pas ça, les gens ont besoin d'éveil intellectuel, de réveil spirituel. Ça c'est de l'étalage. Ce que pointait du doigt Malek Benhabi. Donc être dans l'étalage, dans l'érudition, c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est d'avoir une conscience éveillée. Et d'ailleurs, le terme « ulul albab » qu'on retrouve souvent dans le Coran, par exemple dans sourate Ali Imran, Allah dit « Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab » Il y a dans la création des cieux et de la terre, ce verset a fait pleurer le prophète, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui, et on a traduit, pour ceux qui sont doués d'intelligence. Mais ce n'est pas une très bonne traduction. Parce que Ulul Albab, ce n'est pas ça en fait. Tout dépend par ce qu'on entend par intelligence. On pense que l'intelligence, c'est cette faculté déductive que nous avons de raisonner, qui est liée à la logique, etc. Non. Albab, c'est le pluriel de l'aube. Et l'aube, c'est le noyau. Le noyau est couvert de ce qu'on appelle Al-Qishr. L'écorce. Ulul Albab, ce sont ceux qui ont cette capacité de briser l'écorce pour atteindre le noyau, qui vont au fond des choses, qui vont dans le cœur des choses, dans le noyau, qui vont chercher l'essentiel. Et si on devait traduire Ulul Albab, on dirait ceux qui sont doués d'une conscience quintessentielle. Ceux qui ont une conscience capable d'aller chercher la quintessence, le meilleur, l'essentiel, le fond. C'est ce que demande l'islam, aller chercher la quintessence. Dans la vie. Ne vous contentez pas de l'écorce, al-qishr. Certains ont une conception, une compréhension de l'islam réduite aux formalités. Ils vont te prendre la tête sur des détails juridiques, sur l'aspect formel du rituel, mais sans pénétrer le fond des choses. Et comme ceci, ils mènent une pratique purement mécanique, robotique de l'islam. Ils ne vivent pas l'islam. Et ça engendre des frustrations parce qu'ils prient, etc. Mais ils sentent rien, c'est normal. Parce que tu t'es arrêté aux formalités, à la façade, à l'écorce. Tu n'as pas encore atteint le noyau. Parce que tu n'as jamais cherché à percer l'écorce. Tu n'as jamais cherché à te poser des questions, à réfléchir, à méditer, à t'imprégner de silence. C'est très important. C'est très important. Et c'est ce que fait le prophète. Là, avec la révélation, Allah va lui donner accès à la quintessence de la vie humaine. Mais après, s'être accordé un moment de silence. Et ça, j'insiste. Et je vais vous raconter à ce propos un conte mystique que nous rapporte, conte Jalal Din Rumi dans son œuvre magistrale, Al-Matnawi, en deux volumes, traduit par Eva de Vitré. Cette œuvre-là, c'est une espèce de, si vous voulez, commentaire vivant du Coran, mais illustré par des contes, par des sagesses, par extrêmement profond comme œuvre. Et donc, il nous raconte l'histoire suivante. Un marchand possédait un perroquet, un très beau perroquet. Il s'était attaché à ce perroquet-là, qu'il gardait dans une cage. Et un jour, le marchand avait une course à faire en Inde. Et il dit au perroquet, écoute, j'ai une course à faire en Inde, est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier? Il lui dit, ma liberté. Le marchand lui dit, non, tout sauf ça, tu m'appartiens. En plus, je t'apprécie, je me suis attaché à toi, tu restes dans ta cage. Tu es à moi. Bon, déçu, le perroquet dit, bon, écoute, ce que j'aimerais dans ce cas, c'est que tu transmettes Tu dises à mes cousins qui vivent en Inde, parce que le perroquet était originaire de l'Inde, et tu dises à mes cousins
de l'Inde, les conditions dans lesquelles je vis, que je suis en cage, prisonnier, que mon maître ne veut pas me donner ma liberté, tu te plains de ma situation, de ma part. Bon, le marchand trouve ça assez curieux, mais il accepte. Il accepte. Il sort en Inde, il fait sa course, ensuite il le. Comme promis, fidèle à son engagement, il va voir les cousins du perroquet. Voilà, bon, votre cousin me dit de vous faire part de sa condition, de sa situation désastreuse. Et là, un perroquet tombe raide mort au pied d'un arbre. Le marchand est un peu est surpris, mais ils sont fragiles, ces perroquets. Il retourne chez lui et il dit à son perroquet, écoute, j'ai transmis tes nouvelles à tes cousins et l'un d'entre eux est tombé raide mort. Et le perroquet lui-même tombe raide mort dans la cage. Là, le marchand est triste, il dit, mais ils sont très sensibles, ces perroquets, finalement. Il ouvre la cage, il prend le perroquet, le pose au bord de la fenêtre en attendant, et là, le perroquet déploie ses ailes et s'envole. Le perroquet se rapproche tout doucement à une certaine distance du marchand, et lui dit, en fait, tu m'as apporté une bonne nouvelle de l'Inde. Mon cousin m'a transmis un message codé. Quel est le message codé? Je ne comprends pas. Tu veux ta liberté? Garde le silence, fais le mort. La cause de ton emprisonnement, c'est le bruit, tu parles beaucoup. Le bruit est ta prison. Tu veux ta liberté? Le silence, tais-toi, fais le mort. Et là, il a pu, grâce au silence, il a pu s'élever vers le ciel, vers Dieu, vers l'azur, vers l'ineffable. Et le perroquet, en fait, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la parole qui n'a pas de sens. C'est une créature qui répète des mots sans en comprendre le sens. Il ne fait qu'aligner des sons, des mots. Et le perroquet symbolise parfois notre existence, une répétition de mots, de gestes, d'activités qui n'ont pas de signification. Parfois, nous vivons tels des perroquets. On répète un certain nombre de gestes, on répète nos prières, on répète un quotidien sans signification. On répète ce que les anciens ont fait. Nous sommes des perroquets parfois. Alors, retrouver sa liberté, c'est changer son mode de vie, sa façon de penser, se réduire au silence pendant quelque temps. C'est comme ça qu'on accède à l'ineffable, à l'absolu. Autre enseignement de ce petit conte, c'est que le message, il lui vient d'où? Encore une fois, c'est symbolique. Il lui vient de son pays d'origine. C'est une façon de nous dire que, en fait, le véritable message, c'est celui qui vient de notre nature d'origine, al-fitra. Il a fallu qu'il renoue avec ses cousins, donc avec son lieu d'origine, pour retrouver sa liberté, comme nous devons renouer avec notre état originel. L'état édénique. Quel est l'état édénique? C'est l'état de Éden avant d'avoir touché à l'arbre. Faut retrouver cet état. La chute, elle a commencé au moment où il a touché à l'arbre. Au moment où on goûte à la vie. Au moment où on touche à cette vie, on chute. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrouver l'état avant la chute. Notre état d'origine. Cette fitra, ce que nous disons depuis tout à l'heure. Et donc le prophète, quand il reçoit cette révélation, Allah lui dit, Iqra, lis. Un être illettré qui a une virginité intellectuelle, donc prêt à accueillir le message, alors que les autres personnes, les autres civilisations, les Perses, les Byzantins, qui étaient des grandes puissances, n'ont pas reçu cette révélation. Pour quelle raison? Parce que leur esprit était déjà contaminé par plein d'idées fausses. Là, il fallait un illettré, un esprit vierge. Et donc, que lui dit le Coran? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme. Regardez bien, il fait un lien entre lit, iqra. Alors, iqra, en fait, c'est pas lit. En arabe, iqra, c'est récite. Mais bon, on peut aussi le traduire par lire, accessoirement. Et il fait un lien entre la lecture, la récitation, et l'homme, qui a créé l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Iqra, c'est une invitation à la connaissance. Ton premier objet de connaissance, c'est toi-même, en tant qu'homme. Parce que la meilleure façon de connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Donc Allah l'invite à réfléchir, mais pas sur n'importe quoi. Tu vas d'abord réfléchir sur toi. Parce que tu es toi, à toi seul, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, un réservoir de signes.
Et si tu médites que sur toi-même, tu connaîtras Allah Ta'ala. Parce que l'être humain est la synthèse de tout l'univers. Il contient en résumé tout l'univers. Nous enseignent en l'occurrence les grands mystiques de l'islam. C'est la synthèse. Ce qu'on appelle dans le langage mystique « El-Insan ul-Kamil » l'homme universel qu'on retrouve dans l'œuvre d'Ibn Arabi. Et donc là, en fait, Dieu le pousse à se tourner vers lui-même. « Khalaqa al-insana min alaq » qu'on a traduit par « caillot de sang, adhérence », par une dimension biologique. Alors que « alaq », ça veut aussi dire « al-ilaqa », le lien qui t'a créé d'un lien spirituel avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a mis en toi un lien naturel qui t'élance vers Dieu. La feta. Donc on peut le traduire sous un aspect biologique, et c'est correct, comme on peut le traduire sous un, dans un sens spirituel. Mais na'ala, tu as un lien naturel qui te relie à Dieu. Ne le brise pas. C'est dans ta nature que d'aller vers Dieu. Et alaq, c'est l'anagramme de aql. C'est, ils sont composés des mêmes lettres. Et même aql, ça veut dire lié. Quand on dit aqala, c'est-à-dire lié, relié. Donc al-aql, c'est l'intelligence, c'est l'acte de relier intellectuellement, de se relier intellectuellement à Dieu. Quand on dit al-aql, c'est ça. C'est pas raisonner. Parce que nous, on a une conception occidentale de la raison. La raison en Occident, elle est réduite à une fonction utilitariste, ça veut dire c'est celle qui se contente de calculer, de raisonner de manière logique. En islam, l'intelligence a une dimension bien plus profonde. Ça, la logique n'est qu'une partie de l'intelligence. Il y a une dimension spirituelle, c'est l'intellect en islam, c'est profond, c'est ce qui te permet de lier les choses à Dieu. Dans chaque chose que tu vois, dans chaque chose que tu perçois, dans chaque épreuve, dans chaque expérience, tu trouves un lien qui t'unit à Dieu. C'est ça raisonner en islam. C'est pas simplement faire de la logique. Mais nous avons été plus ou moins abusés par la conception occidentale de la raison. On a été abusés. Voilà pourquoi en fait il faut... C'est ça se connaître. Parce que se connaître c'est comprendre le mécanisme qui nous anime. En fait, l'être humain, c'est un appareil complexe. C'est un corps, c'est un esprit, c'est un cœur, c'est une intelligence, c'est une raison, c'est une âme. C'est beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a dit « connaissez-vous ». Parce que comment voulez-vous vous rapprocher de moi si vous ne savez pas comment fonctionne cet appareil? Il faut connaître le fonctionnement de cet appareil. Savoir l'âme, quelle est sa fonction, quel rôle elle joue, quel impact elle a, le cœur, quelle est sa nature, l'esprit. Quelle dimension il a dans l'être? Ça, la plupart des gens ne savent pas. Ils pensent que se connaître soi-même, c'est connaître son identité. Mon nom, mon prénom, mon adresse, ma taille, ma couleur. Non, c'est pas ça, se connaître. C'est ça quand tu dis, est-ce que tu te connais toi-même? Non. Alors, parle pas d'... Arrête de parler d'islam. T'as des gens, ils vont te parler de hadith, etc. Ils ne savent même pas comment fonctionne un être humain. Quelle est la différence entre l'âme, l'esprit, le cœur? Quelle est la différence entre l'intellect, la raison? L'indifférent, tout ça, très complexe. Ça demande tout un cours. Ça. Et l'être humain, en fait, il est le réceptacle de la lumière divine. C'est un réceptacle. Et le prophète Ar-Salam nous donne une image que je vais vous résumer, c'est dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari. Il nous donne une image en fait. Et regardez bien, subhanallah, c'est extrêmement fort parce que chaque fois, il nous donne des comparaisons avec la création. En fait, comme l'être humain, en fait, le prophète, alayhi sallam, il frappe l'imaginaire du musulman par des images pour bien saisir la profondeur des choses. Il dit, regardez bien, regardez la terre. Vous trouvez trois qualités de terre. Il y a la terre fertile, naqiyatun, il y a la terre aride, il y a la terre sèche. Il dit, la terre fertile, qu'est-ce qu'elle fait? La terre fertile, quand elle est arrosée par la pluie, elle absorbe l'eau et elle produit des plantations en abondance. La terre aride, elle n'absorbe pas l'eau, elle en retient un peu la surface, mais ne produit rien. Elle retient un peu d'eau et les hommes et leurs troupeaux peuvent venir s'abreuver dans cette eau.
Il y a la terre sèche qui n'absorbe, ne retient rien et ne produit rien. Mais il dit le cœur, les cœurs sont semblables à ces différentes catégories de terre. Tu as le cœur fertile, quand il est arrosé par la pluie de la révélation divine, il absorbe, il s'en imprègne. Regardez bien, il s'en imprègne d'abord. Et ensuite, il produit des plantations. C'est-à-dire, il produit de bonnes œuvres. Tu as le cœur aride. Quand il est arrosé par la pluie divine, il retient à la surface quelques connaissances. Les gens peuvent venir s'abreuver dans cette connaissance. Il peut les transmettre, mais il ne produit rien. C'est stérile. Et tu as le cœur sec. N'absorbe rien, ne produit rien. C'est le cœur mort, voilé. Et en général, la majorité se trouve dans la deuxième catégorie. Un cœur aride, il retient les enseignements à la surface, mais il n'y a pas de fertilité. C'est stérile, ça ne produit pas. Et plus encore, c'est que tu as des gens qui peuvent cumuler beaucoup de connaissances en islam, mais sans que ça n'ait de l'effet sur lui et sur son entourage, sur sa société de manière générale. Ça n'a pas d'effet. C'est des connaissances. C'est pour ça que le prince, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, c'est ce qu'il dit. Il dit « Rubba hamil fiqhin laysa bi faqih ». Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et là, c'est le prophète qui le dit, dans le musnad de l'imam Ahmed. Il dit « Tu peux trouver un être, rubba hamil fiqhin, hamil, c'est-à-dire qu'il porte beaucoup de connaissances en matière de fiqh. Mais qui n'a pas une compréhension profonde des choses. Tout ce que je disais tout à l'heure. Il porte plein de connaissances à la surface, mais il n'a pas une compréhension profonde des choses. Et tu peux trouver des gens comme ça. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça que le musulman, il ne va pas chercher une quantité de connaissances et de savoir. C'est quelqu'un qui va chercher la profondeur des choses. Et je veux un enseignement profond qui puisse me bousculer, qui puisse me saisir tout mon être et m'apporter un peu de sagesse. Parce que le plus beau trésor qu'il y a dans cette vie, c'est la sagesse, c'est Dieu qui le dit. Et Dieu dit peu de personnes parviennent à trouver ce trésor. Vous savez pour quelle raison? Parce que peu de personnes cherchent ce trésor. Parce qu'on est attiré par d'autres choses. Et on passe à côté de l'essentiel. La sagesse, Allah il ne la donne pas à tout le monde. La sagesse, c'est celle qui va te donner une façon de voir les choses bien plus profonde, qui va t'apporter des subtilités dans ton regard. Tu vas être capable de percevoir des subtilités spirituelles, qu'on appelle la ta'if, des subtilités spirituelles dans la vie. Ça, c'est pas tout le monde. Ça, c'est ceux qui ont un certain degré de spiritualité, de conscience spirituelle, ils perçoivent, ils sentent. Ils ont des intuitions, ils vivent des expériences spirituelles qu'on ne peut pas traduire avec le langage humain, parce que le langage humain est trop limité pour rendre compte des choses qui dépassent l'être humain. Mais ça demande encore une fois un certain cheminement spirituel. Mais malheureusement, nous avons développé une pratique mimétique de l'islam. Ce que dit Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, dans son livre magistral que vous connaissez, Ihya Ulum al-Din, il dit... Il y a trois catégories de musulmans. Il y a les musulmans qui pratiquent par mimétisme. Et ils disent que c'est la majorité. C'est-à-dire qu'ils ne font que reproduire ce que font leurs parents, leur famille. Ils jeûnent parce que leurs parents jeûnent, ils prient parce que leurs parents prient. Et ils répètent ce qu'ils ont appris sans interroger le savoir. Ils disent que c'est une pratique mimétique du commun des musulmans, qui appartient au commun des mortels parmi les musulmans. Il dit qu'il y a un deuxième degré, c'est la pratique de l'élite. Ce sont ceux qui pratiquent, mais après avoir raisonné, par compréhension. Donc ils passent du mémétisme au raisonnement. Ils déduisent, ils disent, bon là, si on fait ça, c'est pour ça. C'est un autre stade. Il dit ensuite, il y a la pratique de l'élite de l'élite. Ce sont ceux qui ont une saisie directe de la vérité. Une saisie directe de la vérité. Et il donne un exemple très simple pour illustrer son propos. Il dit, vous avez une personne dans une pièce que lui nomme Zaïd. Il dit, Zaïd est dans une pièce. Il y a des gens qui vont dire Zaïd est dans une pièce, dans la pièce,
Pas parce qu'ils l'ont vu ou l'ont entendu, parce qu'on leur a dit que Zaïd est dans la pièce. Donc ils répètent Zaïd est dans la pièce. Pratique mimétique. On répète, ils répètent ce qu'on leur dit. Ensuite, il y a celui qui va passer devant la pièce, qui va entendre une voix. Et là, il va résonner. Cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part, elle ressemble à... C'est Zaïd. Donc, il y a une partie de raisonnement. Donc, il n'a pas simplement entendu dire que Zaïd est dans la pièce, il a entendu la voix. Il y a celui qui entre dans la pièce et qui voit Zaïd, c'est-à-dire qu'il y a une saisie directe sur la vérité, qui a perçu la chose. Ben, telles sont les catégories d'hommes vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis d'Allah. Il y a ceux qui croient en Allah par mimétisme, parce qu'on leur a dit que Dieu est. Il y a ceux qui croient en Allah par déduction, par compréhension, ils ont compris. Il y a ceux par un accès direct à la vérité à travers le cœur. Il donne d'autres exemples très profonds. Je vous invite à lire le chapitre de Ihya al-Muddin qui s'appelle Aja'ib al-Qalb, qui est traduit en français, les merveilles du cœur. Oui, traduit en français, les merveilles du cœur. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette... Il dit voilà. Si vous creusez un trou dans la terre, il dit il y a deux façons de le remplir d'eau. Soit vous détournez le cours des rivières pour remplir le trou, ou soit alors vous creusez davantage jusqu'à ce que l'eau jaillisse. Il dit ben le cœur c'est pareil. Soit il va faire entrer la lumière par le biais de la rivière des sens, nos sens, je vois, j'entends, je comprends, tout ça, ce sont des rivières qui vont apporter la connaissance dans le cœur, ou soit alors, en creusant dans le cœur, en purifiant le cœur, jusqu'à ce que la lumière jaillisse de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Vous avez compris ? Donc, c'est deux façons d'avoir accès à la connaissance et à la vérité. Mais pour purifier le cœur, l'islam nous enseigne une chose. D'ailleurs, le verset Iqra, Jibril alayhi salam a insisté par trois fois, Iqra, Iqra, Iqra. Et c'est pour ça que le prophète sallam dira dans un hadith, il dira, pour comprendre le Coran, ou un verset du Coran, ou un passage du Coran, il faut l'avoir lu au minimum trois fois. Au minimum. C'est-à-dire que ce n'est pas en une lecture que... Non. Il y a des choses qui vont t'échapper, il faut lire une deuxième fois, une troisième. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est par la répétition que nous accédons au sens des choses. C'est pour ça que nous répétons cinq prières par jour. Que les histoires se répètent dans le Coran. Des fois, on a l'impression qu'on dit, mais Allah, il se répète dans le Coran. C'est les mêmes histoires qui reviennent. La répétition a un sens. Le dhikr, vous faire 33 fois cette formule, 7 fois, 100 fois l'autre formule. Tout est à base de répétition. Parce que la répétition permet de fixer la chose. De fixer la foi dans le cœur. Je vous donne un exemple très très simple. Grossier même. Un clou. Vous ne pouvez pas l'enfoncer avec un coup de marteau. Si vous voulez que le clou s'enracine dans le matériau, il faut répéter les coups jusqu'à ce qu'il s'enfonce dans le matériau. La foi, c'est ce clou. Et nos rituels, les actes que nous répétons au quotidien, ce sont ces coups que nous donnons pour qu'elles s'enracinent dans le cœur. Et même si vous avez l'impression que la répétition n'a aucun sens, détrompez-vous. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Mais je prie, je lis le Coran, je ressens rien. » Non, ça produit, ça fait de l'effet. Et je vous raconte une anecdote à ce propos. Il y a un homme, un jour, qui dit à son fils, ils sont au bord de la mer, il lui donne un panier troué, sale. « Remplis-moi ce panier. » L'enfant, il va, il remplit le panier. Avant même d'arriver chez son père, le panier se vide. Il dit à son père, en fait, « Ça ne sert à rien ce que je fais. » Le panier est troué. Il dit, écoute, fais ce que je te demande et arrête de polémiquer. Alors le garçon, il ne comprend pas, il va, il retourne. Il remplit le panier d'eau, il essaie de courir, mais le panier se vide sur le chemin. Papa, ça ne sert à rien, répète. Et ainsi de suite. À un moment donné, le fils, il est agacé. Il dit, papa, tu te moques de moi. Ça ne sert à rien, le panier ne va jamais se remplir, ça n'a aucun effet. Et là, il s'approche de lui, il dit, écoute, viens. Le panier, quand je t'ai donné au début, il était comment? Il était sale. Et à force de le remplir d'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Le panier s'est nettoyé. Donc l'eau est rentrée. Certes, elle est sortie. Mais au passage, qu'est-ce qu'elle a fait cette eau? Elle a nettoyé le panier. Et ce panier, c'est ton cœur. Une parole du Coran, elle rentre là. Elle sort là, par les trous des oreilles. Mais au passage, qu'est-ce qu'elle a fait cette parole? Elle a purifié ton cœur. Donc ne dis pas que c'est vain.
Le fait de répéter des versets, le fait de répéter des dhikr, le fait de répéter la prière, c'est pas vain, ça a un effet. Tu ne ressens pas tout de suite, tu ressentiras par la suite. Et c'est pour ça qu'Allah, il incite la répétition, elle a un sens. Répéter, répéter, c'est fixer, c'est voilà, c'est enfoncer le clou. Il faut que la foi s'enracine. Sinon, elle ne repose sur rien. Si vous tapez qu'une fois sur le clou, deux fois, ça va peut-être s'enfoncer un peu, mais à la moindre épreuve, le clou tombe ou se tord. Et à un moment donné, là, on dit la spiritualité, la lumière s'affaisse. Mais non, il faut enraciner la chose. Donc, Allah, ici dans le Coran, lui dit, apprends à te connaître. Khalaq al-insana min alaq. Apprends à te connaître toi. Et juste se connaître soi-même, c'est un chantier. C'est un chantier. Apprends à se connaître. Ça demande une vie. Ensuite, Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, va interrompre la révélation. Il va interrompre la révélation. Entre 6 mois. Il y a des historiens qui disent 2 ans, mais l'avis le plus sûr, le plus juste, c'est 6 mois. 6 mois où Dieu a interrompu la révélation. Silence divin. Bien sûr, ce silence a un sens. C'est qu'en fait, Allah, c'est ce qu'il a fait ici. Il a cultivé le doute dans l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu doutes. C'est important. Ne jamais vivre avec des certitudes. Avec un esprit dogmatique. Il y a le yaqin, il y a une certitude spirituelle, ça qui concerne le cœur, mais tout ce qui concerne tes idées, ton intelligence, ne jamais être dans le dogmatisme. Doute en permanence. C'est comme ça qu'on évolue. Mais tu doutes à partir d'une certitude spirituelle. C'est-à-dire ton doute, il commence après être convaincu que Dieu est. C'est-à-dire Dieu ne lui a pas enseigné le doute avant de lui avoir dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Maintenant que j'ai mis le tawhid dans ton cœur est la source de ton doute. Donc ton doute, il part pas de rien, il part de quelque chose, il part d'une certitude. C'est pas comme dans le doute philosophique occidental où tu as René Descartes au XVIIe siècle qui te dit à un moment donné, il te fait table rase du passé. Il remet tout en cause. Dieu, même sa propre existence. Il est passé d'un doute méthodique à un doute hyperbolique. Il remet tout en cause. Et il va reconstruire des vérités à partir d'un raisonnement purement logique. Mais il va même prouver l'existence de Dieu par la raison. Preuve qui n'est pas satisfaisante du tout, d'ailleurs. Parce que la raison limitée ne peut pas prouver ce qui est limité. Ne peut pas prouver l'infini. Mais lui, il remet tout en cause. Et à son insu, il a encouragé la culture du doute à tous les niveaux. C'est pour ça que de là va naître ce qu'on appelle le scepticisme. Le philosophe occidental, la philosophie occidentale, c'est ça, c'est... Non, il faut douter, il faut être sûr de rien. Et donc, on mène une vie comme le papillon, comme la feuille morte au gré du vent. Non, d'abord, on a une certitude. Allah est unique. Et à partir de là, je doute. Mais je doute de quoi? De mes idées, de mon comportement, de mes attitudes. Je doute et je chemine. Donc, Allah lui a inculqué ça au prophète. Tu as douté pour cheminer. Parce que le jour où tu dis, c'est bon, j'ai atteint le sommet, c'est le début de la chute. Donc, le doute avait un sens ici. Il avait une signification. Le doute est une école. Hein? Dans la vie du prophète. Donc il ne faut pas vivre avec des idées arrêtées, toutes faites. Il faut apprendre à, ce qu'on disait tout à l'heure, à bousculer parfois ses idées, à bousculer son esprit. Et je termine par une chose, parce qu'à mon avis, c'est pour la prière de le Maghreb. Et les Isha, c'est... On a encore un peu de temps. D'accord. Le prophète, alayhi salam, Moussa alayhi salam, à un moment donné dans sa vie, dans Sourate al-Kahf, la caverne, la troisième histoire de Sourate al-Kahf, il va vivre une expérience spirituelle extrêmement intéressante. C'est que, regardez bien de qui on parle. On parle de Moussa. Moussa, il fait partie des 5 prophètes doués de fermeté, vous le savez, Ulul Azm. D'accord? C'est quelqu'un qui a été éprouvé par l'ingratitude et l'impatience des Banu Israël. Éprouvé. Il a fait preuve de patience. C'est l'interlocuteur de Dieu, celui qui a parlé directement à Dieu. Et au terme de sa mission, Allah va lui faire vivre encore une expérience. Après toute son aventure prophétique, tu vas vivre encore une expérience. Parce que malgré tout ce que tu sais, malgré avoir parlé à Dieu,
il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Et je vais te les enseigner avant que tu ne rendes l'âme. Quelle est cette expérience? Un jour, il est avec un groupe de personnes. Je vais passer les détails de l'histoire. Et une personne les interpelle. Qui est le plus savant d'entre vous? Moussa, dis-moi. Mais il le dit sans prétention. Il le dit naturellement. Je suis le prophète, donc forcément, c'est moi. Et là, Allah le reprend. Il y a plus savant que toi. Parce que toi, tu as une connaissance pour l'instant extérieure des choses. C'est pour ça qu'on dit que le judaïsme, c'est la loi. C'est tout ce qui est loi, normes, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est formalité. Et donc, pour compléter cette connaissance extérieure des choses, Allah va lui faire vivre une expérience pour connaître l'intérieur des choses, le noyau. Il lui dit, il y a plus savant que toi. Et Moussa, la preuve qu'il était, la preuve de son humilité, il dit, où puis-je trouver cet homme pour que j'apprenne de lui? Tu vas le trouver à tel endroit. Je passe les détails de l'histoire. Tu vas le trouver à tel endroit. Le prophète Moussa va voyager jusqu'à cet endroit pour retrouver cet homme. Et il va se faire disciple de cet homme, lui qui est prophète, l'interlocuteur de Dieu, qui accepte, après une aventure prophétique, de devenir un élève. C'est puissant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, dès qu'elles ont un petit statut social, elles ont un peu de savoir, va leur parler. Va leur parler. Il y a 150 000 secrétaires entre eux, il faut. Pas maintenant, attention. Non, Moussa, il se fait disciple, il revient à la base. Il revient à l'école. Je vous rappelle que cet homme a libéré un peuple de l'homme le plus orgueilleux de l'humanité, Pharaon. Et là, il revient à l'école pour apprendre. D'où l'importance. Regardez les gens qui ont donné l'importance à la connaissance et au savoir. Ils sont prêts à tout pour étudier. Et ils n'ont aucune prétention. Et là, le sage lui dit, tu ne seras pas patient. Al-Khidr. Tu parles à Moussa. Moussa qui a supporté l'ingratitude des Bani Israël, celui qui est qualifié comme étant doué de fermeté. Lui ne sera pas patient. Si lui n'est pas patient, alors nous, qu'est-ce qu'on va être? Moussa lui dit, si je serai patient. Alors là, Moussa lui dit, Khidr lui dit, ben, j'ai une condition. Condition qui est curieuse. Tu ne poses pas de questions. Un prof, à ses élèves, dit toujours, posez des questions. Lui, il dit, non, tu ne poses pas de questions. C'est la condition. Tu veux apprendre, ça rejoint ce qu'on disait. Tu veux apprendre, tais-toi. Parle pas, fais pas de bruit. Surtout quand on pose des questions pour dire n'importe quoi. Parce que c'était. Regardez, c'est pas du hasard. Parce que les Banu Israël, ils avaient un problème en particulier. C'était quoi? C'est qu'ils posaient trop de questions. Et c'est pour ça que Dieu les a condamnés dans le Coran. Attention, quand on parle des Banu Israël, on parle pas des Juifs. Parce que. Les Banu Israël sont une partie des Juifs. Ce n'est pas tous les Juifs. Là, Dieu condamne une partie qui a été ingrate et qui posait trop de questions. Allah leur dit, ils voulaient un miracle. Un miracle après avoir vécu beaucoup de miracles avant. On veut un miracle, d'accord. Apporter une vache. C'est pas ils vont apporter une vache. T'as la campagne des vaches, c'est pas ce qui manque. Quelle couleur la vache? Tu compliques ta religion. Quelle taille? Quelle corpulence, quel ceci. Et à la fin, le choix, cet excès de questions a réduit plutôt le choix, et ça a compliqué les choses. Maintenant, c'est difficile de trouver cette vache. Donc, vous avez compliqué quelque chose qui était simple à la base, qui était très simple. Et donc là, c'est pas pour rien que le Khidr dit à Moussa, pose pas de questions. Justement, l'une des maladies parfois d'une communauté, c'est pose trop de questions, elle va trop dans les détails. Elle veut trop se compliquer la vie. C'est pour ça que le prophète disait à ses compagnons, ne posez pas trop de questions. Parce qu'en posant trop de questions, vous allez provoquer la révélation. Et Allah va finir par nous interdire des choses. Donc taisez-vous. Allah n'a rien dit, tais-toi. Allah, quand il ne dit rien, c'est pas parce qu'il oublie. Les gens pensent que, ah non, on va te poser, Allah a peut-être oublié ça. Là, il n'oublie pas. C'est par miséricorde, par rahma. Mais comme tu cherches, tu grattes, eh bien, Allah il va parler, et eh bien voilà. Tu as restreint le champ du possible. Donc, il lui dit, pose pas de questions. En fait, ça, c'est très important. Hein. Les gens passent ce passage-là, mais c'est très important. Ça veut dire que El-Khidr est très sage. Il est en train de, encore une fois, prédisposer Moussa. Tu vas apprendre des choses. Il ne faut pas poser de questions, parce que moi, ce que je vais t'enseigner, c'est très profond. Et toi, tu risques de t'attarder sur les détails. C'est comme il y a parfois des gens, tu leur racontes des histoires pour illustrer un propos.
Plutôt que de retenir l'enseignement, ils vont s'arrêter sur les détails. Oh, mais attends, pourquoi il a dit ça? Et qui? Mais non, c'est pas le but. Le Coran, quand il te raconte des histoires, lisez les histoires du Coran. Il ne rentre jamais dans les détails. C'est très synthétique. Et nous, au lieu de nous contenter, de nous suffire des éléments, des informations dans le Coran, on veut toujours aller chercher les détails. Ah bon, c'est qui? C'est quel jour qu'il a fait ça? Combien ils étaient? C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, dans Sourate Kahf, quand il voulait savoir le nombre des gens dans la caverne, certains disaient qu'ils étaient trois, le quatrième le chien, l'autre disait quatre, le cinquième. Allah dit, mais non, c'est pas votre problème ça. Dieu seul sait. Pourquoi vous vous cassez la tête à savoir le nombre de personnes? C'est un détail inutile. Et ça, cet excès de curiosité a affecté la communauté musulmane. Passe notre temps à poser des questions, c'est des choses, mais des détails. L'exemple le plus patent, c'est pendant le mois du Ramadan. Les mêmes questions qui reviennent. À la veille du Ramadan, vous avez les mêmes questions qui reviennent. Vous les connaissez. On peut se brosser les dents, on peut mettre du parfum, on peut ceci. On va. Subhanallah, les gens, ils ont transformé le monde, ils ont inventé Facebook. Nous, on est en train de se demander est-ce qu'on peut manger les bonbons avec un peu de je sais pas quoi dedans, là, etc. On est toujours dans des questions. En fait, on se rend malade dans notre pratique. Les choses sont simples à la base, sont très très simples. Mais les gens aiment bien, c'est voilà, c'est une maladie. Donc, maladie intellectuelle. Al-Khadija, tu ne poses pas de questions. Moussa, bon, il accepte. Il dit ok, très bien. Il entame une aventure avec lui. Al-Khidr, il va faire trois choses en l'occurrence qui vont perturber Moussa. Vous connaissez ces trois choses. La première, si mes souvenirs sont bons, il va détruire une barque qu'on lui avait prêtée pour traverser une rivière. Et là, Moussa lui dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as détruit cette barque? Elle ne t'appartient pas. Tu dois la rendre à ses propriétaires. Et tu vois, tu ne vas pas être patient. Ajib, Moussa, le patient, il est perturbé, il ne comprend pas. Celui qui reçoit la révélation, pourtant, il y a des choses qui continuent de lui échapper dans la vie. C'est fort quand même. Moussa se reprend. Non, pardonne-moi. Ça ne se reproduira plus. Al-Khidr tue un innocent, un enfant. Pourquoi t'as tué cet enfant? C'est un innocent. Réaction naturelle, normale. N'importe qui aurait réagi comme ça. Tu vois, tu poses trop de questions. En fait, tu t'attardes sur des choses, mais parce que tu n'as pas encore accès à l'essentiel. Si tu avais accès à l'essentiel, tu ne poserais même pas des questions sur ça. Des fois, il faut bien se dire que si on pose trop de questions sur certaines choses, c'est que l'essentiel nous a échappé. L'essentiel nous a échappé. Et donc là, Moussa lui dit, donne-moi une dernière chance. Après, je lui dis, écoute, je te donne une dernière chance. Après, c'est tout. Le Khidr, à la tombée de la nuit, toque chez quelqu'un. Pouvez-vous nous accueillir? Il demande l'hospitalité. Juste pour cette nuit, la personne refuse. Et avant de partir, le Khidr s'aperçoit que le mur qui tenait la baraque s'apprêtait à s'effondrer. Il le retient. Pourquoi tu as retenu le mur? Il t'a refusé l'hospitalité, va lui demander un salaire. Il lui dit, écoute, nos chemins se séparent. T'es impatient. T'es un disciple impatient. Agib. L'homme, le prophète, l'élu de Dieu, se montre impatient devant un maître, un sage. Vous savez, dans cette histoire, il y a plein, 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 plein d'enseignements. Ça demande des. Moi, je vous invite à prendre cette histoire, à la lire et à passer du temps dessus, à réfléchir. Vous allez voir beaucoup de subtilités. Beaucoup de subtilité. Et donc, avant de partir, Al-Khidr lui dit, mais quand même, je ne vais pas te laisser comme ça dans ta frustration. Je vais t'enseigner le sens de ces choses-là. En fait, j'ai un savoir que tu n'as pas. Toi, tu as jugé les choses à leur apparence. Tu n'avais pas accès à la profondeur. J'ai détruit cette barque parce que Dieu m'a informé que le dictateur de l'époque s'apprêtait à la confisquer. J'ai préféré la détruire. Cet enfant, j'ai mis un terme à cette vie, à sa vie. Par ordre de Dieu, parce qu'il devenait nocif pour sa famille, sa communauté. Et en échange, sa mère attendait un enfant vertueux. Le mur, je l'ai retenu, parce qu'à l'intérieur, en dessous de ce mur, se trouvait l'héritage qui appartenait à des orphelins. Tu vois, en fait, ton esprit était limité aux apparences, el-qisr, l'écorce. Tu n'avais pas encore accès au noyau. Et donc là, regardez, Allah a éduqué Moussa à avoir accès au sens des choses. Attention, des fois,
tu juges les choses parce que tu te limites aux apparences. Et la vie ne se réduit pas aux apparences. La vie ne se réduit pas aux apparences. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Attention, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle était un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle était un mal pour vous. Ne vous limitez jamais aux apparences. C'est pour ça qu'Allah nous a donné cette lumière qui est dans le cœur. Cette lumière, plus on l'intensifie, plus elle nous éclaire sur la vie et plus elle nous donne accès à ce qui est au-delà de nos yeux physiques. Moins la lumière brille, plus vous allez être aveugle sur la réalité de l'existence humaine. Et vous allez vous limiter aux apparences. C'est pour ça, c'est ça, porter la foi, c'est porter un regard profond sur le monde. Porter la foi, c'est porter voilà, une vision subtile sur la vie. C'est voir les choses vraiment avec beaucoup de subtilité. Dire, mais voilà. C'est voir la vie à l'image du ciel au moment du coucher ou du lever du soleil. Vous savez, au moment du coucher ou du lever du soleil, le ciel n'est ni blanc ni noir. Comment il est ? Il y a un dégradé de couleurs et c'est beau. Et la vie, elle est comme ça. La vie, c'est ni blanc ni noir. Pourquoi Allah nous dit méditer ? Il ne dit pas méditer la nuit ou le jour. Il dit méditer l'alternance de la nuit et du jour. C'est-à-dire au moment de l'alternance. Parce que la vie, elle est comme ça. Il y a toute cette nuance de couleurs. C'est très subtil et c'est beau à la fois. Parce que si tu n'as pas la lumière dans la foi, tu vas voir tout blanc ou noir. Mais si tu as la lumière, tu vas voir toutes les couleurs de l'existence humaine. Tu vas voir toutes les couleurs de l'existence humaine. D'où l'importance donc systématiquement de purifier son cœur. Et je vais juste terminer par une chose. Porter la foi ou essayer d'atteindre un certain degré de piété, ce n'est pas se déshumaniser. Il y a des gens, il y a des personnes qui pensent que pour être plus pieux, il faut être moins humain. Comme si la foi devait s'exprimer au détriment de la nature humaine. Comme si être pieux, c'est devenir un persona, un extraterrestre. C'est quelqu'un qui plane, qui devient... Non, quelqu'un de pieux, la piété n'empêche pas l'humanité de la personne. Le prophète, certes, avait une conscience spirituelle extrêmement aiguë. Il recevait la révélation, mais ça n'affectait pas son humanité. On disait qu'il pouvait... il souriait à l'enfant, il taquinait les personnes âgées, il plaisantait avec ses compagnons, mangeait, dormait. Il vivait comme un être humain, tout simplement. Et genre, c'est pour ça que les gens ils sont frustrés. Ils essaient de cheminer, ils se disent « Ouais, mais je prie, j'essaye de lire le Coran, je médite, mais je sens pas. » Tu crois que tu vas sentir quoi? À un moment donné, tu vas voler, tu vas... Non. Tu restes un être humain, tu vas faire tes courses, tu vas aller acheter tes pommes de terre. C'est ça. La piété n'empêche pas cela. Il faut l'accepter, ça. La première des choses pour cheminer, c'est s'accepter en tant qu'être humain. Allah, il a fait de vous des êtres humains, ni des anges, ni des animaux, ni des démons. Respectez votre nature. Vous n'allez pas devenir autre chose qu'un être humain. Même en ayant le plus haut degré spirituel. Et là, vous allez voir, vous allez être moins frustré. Dire, en fait, alhamdoulilah. La vie est compatible avec ma foi. D'ailleurs, le Coran nous enseigne une invocation que nous disons chaque fois que nous passons devant l'angle yéménite de la Kaaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Ô Seigneur, regardez bien ce que dit. Ô Seigneur, protège-nous, accorde-nous afwan des bienfaits dans ce bas monde et des bienfaits dans l'autre monde. Aucune incompatibilité entre les deux vies. Et il a même commencé par ce bas monde. Allah reconnaît les besoins de l'homme dans ce bas monde. Et le prophète, il disait toujours à ses compagnons, attention, ton corps a des droits sur toi. Attention, n'en fais pas trop. Respecte ton sommeil, respecte ton corps. N'offense pas ton corps. La foi n'offense pas le corps. La foi épouse les aspirations du corps. Elle vient donner sens à nos désirs, à nos passions, à notre faim, elle donne juste un sens, mais elle ne le renie pas. Il ne faut pas devenir des schizophrènes. Je suis musulman, mais là quand je sors... Parce qu'il y a des compagnons qui ont ressenti cette espèce de... cette apparente hypocrisie. Handala, un grand compagnon du prophète, qui est mort lors de la bataille d'Uhud,
Il avait du mérite parce que lui, il meurt, il participe, il s'engage dans la bataille le lendemain de son mariage. Et les hadiths nous disent que en fait, il s'est engagé juste après sa nuit de noces, il n'a même pas eu le temps de faire ses grandes ablutions. Les hadiths nous disent. Il est parti sur le terrain pour servir la cause. Et à sa mort, les anges l'ont lavé dans une bassine en or. Pour vous dire son mérite. Et bien lui, ce compagnon, un jour il est parti voir Abou Bakr Sadiq. Il lui a dit, cher compagnon, Hamdallah est hypocrite. Je suis un hypocrite. Pourquoi il y a Hamdallah? Quand je suis avec le prophète, je vois le paradis et l'enfer. J'ai une conscience spirituelle aiguë. Mais une fois que je m'éloigne du prophète, je suis rattrapé par la réalité de la vie, voilà, mes activités, et j'ai l'impression d'oublier. Abou Bakr lui dit, et Abou Bakr c'est le compagnon par excellence, il dit, c'est bizarre, je ressens la même chose que toi. On est deux hypocrites. On va aller voir le prophète. On va aller lui dire. C'est pas bon ça. Ils vont aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, voilà. On est des hypocrites. On va te l'avouer. Parce que dès qu'on est loin de toi, dès qu'on n'est plus à côté de toi, c'est qu'on est vite rattrapé par la réalité de la vie. Et là, le prophète, il fait un sourire. Il dit, mais si vous étiez constamment en pleine élévation, les anges vous salueraient sur la route. Mais vous n'êtes pas des anges. Vous êtes des êtres humains. Fasa'atun wa sa'a. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Vous êtes des êtres humains, il faut l'accepter. On ne vous demande pas de devenir des extraterrestres. Restez pleinement humains, vivez votre humanité. Soyez naturels. Ça nous permet de vivre la foi de façon humaine et surtout, ça permet de nous préserver de la mise en scène. Il y a des gens, ils ne vivent pas la foi, ils l'interprètent. Sur la mise en scène, il y a de la communauté musulmane, tu la regardes, des fois c'est une pièce de théâtre. Ils sont là, et puis, Masha'Allah, akhi, la ilallah, subhanallah, ils ponctuent leurs phrases de mots dont ils ne comprennent même pas le sens. Ponctuent. La ilallah, il glisse un mot en arabe, ça fait bien, toi quand tu mets un mot en arabe, un truc ça passe bien, ça fait islamique, mais non, c'est pas ça. C'est quoi toute cette mise en scène? Faut pas faire de la mise en scène, faut rester simple, naturel. Reste comme tu es. Parce que si tu restes prisonnier du regard des gens, tu vas vivre une foi frustrée, un peu trop, comment dire, contractée. Tu es là, tu n'es jamais tranquille parce que ah, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils me voient? Non, la foi doit être décontractée. Je suis humain. Et si des fois tu me vois commettre des erreurs, il ne faut pas m'en vouloir, c'est normal. Parce que la foi n'a jamais prétendu faire de moi un homme parfait ou une femme parfaite. Et donc, c'est ça en fait. Les gens n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas incompatible. Et des fois, on dit, mais écoute, akhi, il faut choisir, dunya ou l'akhira, l'un ou l'autre. Qu'est-ce que tu me racontes? Ce n'est pas un choix. Allah, il ne t'a pas venu, t'a dit, écoute, tu choisis l'un ou l'autre. S'il m'a mis dans cette vie, c'est pour vivre. C'est pas pour que je dise, non, je choisis l'akhira, j'attends dans ma chambre, je prie. Moi, j'attends l'akhira. Mais non, mais ça c'est. Il ne faut rien faire, l'akhira, j'attends. Ben attends. Et c'est ça en fait, les gens comprennent mal le sens de l'ascétisme. Ils pensent que l'ascétisme, tu vois, le zuhd, ils ont une très mauvaise compréhension de l'ascétisme. Ils pensent que zuhd, c'est le fait de abandonner cette vie, parce que cette vie c'est une rivière de larmes, elle ne sert à rien, elle est nulle, il faut l'écraser. Nous c'est l'akhira. On attend, Inch'Allah, on va prier. Il ne faut pas s'attacher à ça, au bien matin. Faut pas. Non, 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 non. C'est complètement faux. Allah, Rabbana atina fi dunya hasana. Accorde-nous des bienfaits dans cette vie. Oui, la différence zuhd, c'est pas ça. Zuhd, c'est le fait de ne pas s'attacher à ce que tu as. Zuhd, ce n'est pas le fait de ne pas posséder. Tu peux posséder. C'est ni'ma, Allah t'a donné, alhamdoulillah. Mais c'est ne pas s'attacher. Je vous résume dans un propos de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il y a un homme qui vient le voir, qui lui dit, Ya Ahmed, Ya Iman, un tel possède plusieurs milliers de dinars. C'est un ascète, lui. Il est trop attaché à cette vie. L'imam Ahmed lui dit, non, non, non. C'est un ascète tant que les milliers de dinars sont sur sa main et n'entrent pas dans son cœur. C'est-à-dire, elles restent dans sa main, elles restent dans sa poche. Parce que si ces milliers de dinars rentrent dans son cœur, là, oui, là, il est dans l'attachement. C'est-à-dire, avoir de belles choses, c'est bien. Mais ça reste à l'extérieur. Parce qu'une fois que ça rentre dans ton cœur, là, ça parasite ta foi.
Tout est dans la relation que tu entretiens avec ce que tu possèdes. Ce n'est pas la possession en tant que telle. 3 minutes. Ça marche. Ce n'est pas la possession en tant que telle. Ce n'est pas l'objet en tant que tel. C'est la relation que tu entretiens. Et donc, encore une fois, vous pouvez cheminer spirituellement, vous rapprocher de Dieu tout en étant pleinement humain et tout en vivant votre humanité. Tout simplement. Je termine, j'ai 3 minutes. C'est ça en fait. Vous savez, au 19e siècle, quand le philosophe Nietzsche, quand il dit Dieu est mort, je l'aborde dans mon dernier livre. Les gens ont très mal compris la formule. Je dis, ah, Ouzoubillah, qu'est-ce que tu racontes? Non, qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris quoi la formule? Dieu est mort. Déjà, c'est une formule qui n'a pas de sens. Si Dieu est mort, c'est pas Dieu, parce que Dieu est immortel. Donc, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il y a quelque chose derrière. En fait, lui, il faisait le constat de la croyance chrétienne, en l'occurrence de son époque. Il dit, mais cette croyance-là, cette foi, ce Dieu, il est mort. Quand je les observe, ce sont des cadavres vivants. Leurs prédicateurs, là, sont des prêcheurs de mort. Ils te poussent à nier cette vie, à y renoncer en attendant l'au-delà. Lui, c'est ce qu'il dénonçait. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette croyance? Qu'est-ce que c'est que cette foi? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui m'empêche de vivre? Moi, j'en veux pas de cette croyance. Cette croyance qui fait de moi un mort vivant. Je suis là, j'attends l'au-delà. Lui, il ne voulait pas de ça. Lui, il disait, il avait parfaitement raison. Et attention à l'expression, il dit, moi, je ne peux croire qu'en un Dieu qui saurait danser. Le verbe danser veut dire mettre en mouvement. C'est-à-dire un Dieu qui m'anime, qui me met en mouvement, qui me donne envie de percer les choses dans la vie. Je ne peux croire qu'en un tel Dieu. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, dans son dernier livre, l'Antéchrist, il a de très beaux passages sur l'islam. Mais ça, on ne vous le dira pas. Michel Onfray ne vous le dira pas, lui qui est un fanatique de Nietzsche. Il a de très beaux passages. Parce qu'il a, il dit, la religion de Mohammed est une religion vivante. Est une religion, il le disait très clairement, de longs passages. Pourquoi? Parce qu'il a senti que... Il a compris, il a dit en fait, là, j'ai remarqué que la foi de moi, l'islam n'a rien à voir avec le christianisme. Une certaine compréhension du christianisme qui faisait la promotion d'une vie morte, renier cette vie, abandonner-la, attendez, la vie est souffrance, le péché originel, nous sommes coupables de la fête d'Adam. C'est ça qui le dérangeait en fait quand il dit Dieu est mort. Il n'était pas contre Dieu, il était contre une conception de Dieu. Et le musulman c'est ça, s'il a une foi qui l'anime, pas une foi qui le pousse à se retirer de la vie. Il a une foi qui fait de lui une lumière sur terre. Il devient comme cette étoile qui brille dans l'obscurité de la nuit. C'est une lumière qui scintille dans l'obscurité de la vie, celui qui porte la foi. Wallahu a'lamu a'la wa ahkam, et merci pour votre attention.